J'ai décidé d'organiser des ateliers constituants partout, tout le temps. J'organise des ateliers dans lesquels on s'entraîne à écrire nous-mêmes la Constitution. La Constitution, c'est notre affaire. Ça, c'est la cause commune des humains. Je pensais que j'étais un citoyen, que j'avais une Constitution, que je vivais en démocratie, que la plus belle conquête pour ma liberté en matière politique, c'était le suffrage universel. Un homme, une voix. Comment se fait-il que partout dans le monde, un homme, une voix, c'est pour désigner des maîtres? Comment se fait-il que partout dans le monde, on appelle démocratie son strict contraire, c'est-à-dire désigner des maîtres qui choisissent tout à notre place, qui décident tout à notre place et contre lesquels on ne peut rien? Je pense que partout dans le monde, si c'est advenu, c'est pour la même raison. C'est parce que nous les avons laissés écrire les règles. Nous laissons écrire les constitutions précisément par ceux qui sont les seuls qui ne devraient pas l'écrire. Une constitution, ça devrait ouvrir les voies de l'action pour tout le monde. Au contraire, nous avons des anti-constitutions qui nous ferment les voies. Nous n'avons pas de constitution parce que nous ne savons pas l'écrire, parce que nous ne savons même pas ce que c'est qu'une constitution. À mon niveau, et je pense que tout le monde devrait faire ça à mon niveau, j'essaye de rendre pratique l'écriture de la constitution. À mon échelle, je fabrique, j'organise des ateliers constituants. Quand on remet les mots à l'endroit, quand on se met en tête d'écrire nous-mêmes notre constitution, les utopies, je vous jure, ce qui vous paraît des utopies, les progrès écologiques, les progrès sociétaux, les progrès sociaux, les progrès financiers, dans le financement, l'entraide, la fin de la colonisation, quand vous prenez le problème par la constitution, les utopies deviennent des projets politiques, des trucs faisables. J'ai très vite formulé cette phrase qui reste une espèce de fil d'Ariane, c'est que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Ça me paraît d'une simplicité et d'une efficacité évidente. C'est au 99%, c'est à nous tous d'écrire les règles du pouvoir. Un humain qui n'est pas constituant, c'est pas un citoyen. Je fais tout ce que je peux de tout mon temps disponible pour que l'idée se répande. Depuis juillet 2005, je deviens constituant. Je me préoccupe de la Constitution, je prends tous nos problèmes par la Constitution. Et j'invite mes congénères humains à devenir constituants. Qu'on s'entraîne à rendre familier le mode de pensée constituant, à rendre familières les formulations constituantes. Une constitution, ça sert à nous protéger. Ce texte ne nous protège pas, il nous emprisonne. Il nous conduit à désigner des maîtres contre lesquels on ne peut rien. Ça n'est pas une constitution, c'est une anti-constitution. Mon problème, c'est qu'il y a beaucoup d'humains qui voient l'intérêt, qui se disent « Putain, c'est intéressant ce qu'il dit ce gars-là, putain, c'est bien !» Et puis qui s'arrêtent là, et qui passent pas à l'acte. Ils ne deviennent pas constituants. Nous avons une cause commune. Le gars qui se bat contre les ravages nucléaires, et le gars qui se bat contre les ravages de la finance, et le gars qui se bat contre les ravages de la corruption, ces trois-là, il ne faut pas qu'ils se détestent. Ces groupes d'humains spécialisés sur un dysfonctionnement qui est une conséquence, ils ont tous une cause commune. Il faut passer à l'acte. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « T'as ce qu'il dit, il faut que tu ailles voir, c'est super. » Il faut faire des ateliers constituants. Contagieux. C'est-à-dire qu'il faut inviter des gens qui ne connaissent rien au truc et qui sont contaminés. Putain, c'est bien ce que vous faites là. Ça y est, t'en as contaminé un. Un petit engagement entraîne des grandes conséquences. Si on est nombreux et concentrés comme au laser sur un point et qu'on ne s'est pas gouré, le point il est malin, il est causal, il va tout changer, on veut écrire nous-mêmes la Constitution. Putain, là, si on est des milliards à dire on veut écrire nous-mêmes la Constitution, il va se passer quelque chose dans l'histoire des hommes. Oui, c'est un vaste chantier, mais ça va tout changer. Ah putain, ça vaut le coup de se donner du mal.